Si, si, c'est bon, tout va bien, j'en ai un peu ce que je veux. Je prends une pause. Est-ce que ça me fait rire? Et on est parti, du coup, sur ZSS Cazon. Tiens, tiens, tiens. ZSS contre Pitch. Non, en vrai, c'était très close. Il va finir en émote, hein. Et du coup, bah, la stock ouais, a pris. Et voilà. Non, Blatu qui avait pris la stock, mais qui s'est fait reprendre direct par l'Opiaz. Hein. L'Opiaz qui n'a pas peur. Stage, j'ai fait un neutre à l'air. Et le navigateur de vraiment de. De Bookstore, mais un peu aux fraises. J'ai hâte qu'il revienne pour s'expliquer de ses actes. Et pour l'instant, voilà, on est en vrai sur une game plutôt équilibrée. Hein. Black Q qui touche relativement bien la manette. Et par contre, il se fait catch par ce fameux Don B de ZSS qui fait que je l'appelle le moustique finalement. Un sacré moustique. Oh là là, oui, par contre, cette phase, il va le chercher. Mais peu Rico, devoir Rico même. De manière possible de mix-up toute sa vie. Et ça, side B en légende. Hein. Et la stock qui n'est pas prise, par contre, on saute, on était projeté dans la besogne un peu tout seul en fait. Mais vas-y, c'est ok. On est là à 143% pour prendre le kill qui peut trouver sur le prochain move de ZSS. Le pièce qui se déplace de manière plutôt ambiguë, on sait pas trop. Voilà, le pro qui tue pas. Oh, on a tenté le FR et le zone B de Pete Carry, mais c'est side B de ZSS 3. Enfin, la stock. Le pièce a un avantage voilà, d'une bonne stock. Mais il faut pas dormir, parce que Black Q voilà qui essaie de catch avec les flèches, donc tu vois il y va et il a failli trouver un bon kill setup. Et vraiment il faut se méfier de ce cher Black Q là. Oh là là, il est vraiment heureusement que l'Opiaz il tech quoi, tu vois vraiment il connaît, on dirait qu'il a quelqu'un qui il bosse le match-up, enfin vraiment enfin genre au pif Haru quoi, mais vraiment au pif quoi. Et ce Bakir par contre hein, vraiment il l'a fait en légende hein, il connaît bien. Première game prise par l'Opiaz. 1-0 l'Opiaz. Destination finale. Après c'est bien le faire des. Personne ne lui a expliqué mais il le met quand même. C'est bien parce qu'on a fait un petit changement. Je vais choisir. Et ça va partir sur PS2 pour cette deuxième game. Maintenant il y a déjà Black dedans. Mais si j'oublie de skin. Et toujours, on reste toujours sur le même pic hein, côté Black U et surtout côté Lopias qui pourrait changer de pic à tout moment. Hein, vraiment, le gars un peu la bougeotte. Scène dinguerie. Il se moque pas cette putain de peluche Yoshi pendant là. Mizu l'a abandonné. Il semble s'il l'abandonne ici, moi je l'abandonne dans la seconde. Ouais, mais oui, ils sont drôlés. Alors qu'est-ce que moi qui lui a acheté? Heureusement que Yoshi il est pas droit. Qu'est-ce que t'as signé par là? T'as entendu ce que t'as dit? Non, regarde avec son brodet. Blue Storm, ton score. Toi, tu 3-0 pour moi, Little Mac Falco. Yoshi, il a hauteur pour un champ du canon. Non, là, Ah, ouais, on a entendu.
Bah il casse mais il est pas bavard le gars en fait, tu vois. 3 ans je crois. Casse pas bavard, alors là. Je suis allergique à Yoshi en fait. Prochain patch on screen, Julie Zarto. Ok. Comme ça tu sais. Ouais. Et non, attends. Donc, ouais, donc lancer sur setup 2. Setup 2. Ma black Q il joue, donc ça s'est réglé ici, c'est bloqué. Là, là il joue. En full 3, je peux pas jouer. Ah, il y a peut-être un Arsène moi. Oui, c'est Arsène. Arsène moi. Tu peux vous lancer. Allez, go. Allez, vous tapez. Ouais. Merde, maman. Youg est stable. Oh, capitaine. Mon câble. Hop là. Salut, c'est moi, je suis de retour au cast. Et on est de retour sur le plateau. On est de retour sur le plateau et là actuellement, mesdames et messieurs, eh bien, c'est combien? Ça fait déjà 1-0 pour l'Opsidaz. Sois raciste, utilise ton perso. Il y a des gens qui demandent aux autres d'être racistes. Allez. Non, pas comme ça. Chiche. Tac 2-0. Comment ça se passe le stream? Mais y'a personne, ça repart. Bah si, y'a des gens, mais personne ne parle. Bonsoir, c'est moi, je suis de retour. Je suis de retour et on est à 2-0 pour le cas. On avance tranquillement. Alors, bah écoutez, moi j'ai envie de dire, en même temps que de commenter, on va jouer à Dragon Quest. Alors, un Théo multitâche. Comment t'arrives, gérer le Théo, regarder le chat et jouer à Dragon Quest. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Alors on part sur Lylat et on reste sur Big Malefic. Ainsi que ZSS pour les joueurs. Ok. Pas mal. La ZSS de l'OPS que je n'ai jamais vue pour ma part. Donc à voir comment ça se déroule. Potentiellement du coup dernier game de Lopia je crois pour sa poule. Dommage là des côtés Black Q. C'est dommage mais il faut pas. C'est pas pourtant qu'il faut se déconcentrer. C'est la pire chose à faire si après NSD, c'est si vous utilisez tout seul, vous allez être déconcentré, ça va pas du tout aider pour les games. Il faut rester fort, faut avoir le mental pour continuer. Et j'espère que de tout cœur que Jackie sera de ceux qui justement résistent. Soit devenu pendant le set. Ouais. Ah mais vas-y, je suis arrivé pendant le set, il faut que je ferme. Donc, on finit, on va les sauvegarder, et puis voilà. Non.
Ça c'était bien par contre, c'est le Dambi pour le cover avec Pete. C'est assez safe, on peut choper que d'en bas et c'est assez précis. Et ça coûte des bien. Voilà, let's go, allez, Black Hugh, Black Hugh, on prend, toi tu peux prendre une game à l'Opiaz. Je te laisse stage vide. On va revenir le backer dans les dents et c'est terminé, mesdames et messieurs. 3-0 imposé par l'Opiaz. C'est bien joué. Ouais, c'est top. Je peux lancer au lieu de faire des conneries. C'est top. Si t'as un match avancé, tu peux lancer. C'est top. Ouais, il y a un troisième setup. Hein? Ah, ça à la base, ça va du coup.